On a coutume de l'appeler Gilo, mais le véritable nom de cet aéroport est Roland-Garros. On croit atterrir à Saint-Denis alors qu'il est situé sur la commune de Sainte-Marie. Plus d'un million de voyageurs l'empruntent chaque année, mais savent-ils qui était Roland-Garros ? Qui était Roland-Garros ? C'était un tennisman. C'est pas lui qui a dit... C'était un tennisman ? Non. L'important, c'est de participer. C'est un aviateur ? De la guerre de 14-18. Il était réunionnais. Il a dû faire une traversée quelconque. C'était un aviateur ? C'était même un inventeur, je crois, de combat aérien avec la mitraillette. Il est mort maintenant. Lors d'un combat aérien. Né à Saint-Denis en 1888, Roland Garros est un héros réunionnais de la Première Guerre mondiale. Enfant fragile, il doit faire du sport. Il est sacré champion de France de cyclisme en 1906, mais s'essaie aussi au tennis. Diplômé de langue, de droit et de mécanique, il est passionné d'aviation et passe son brevet de pilote en 1910. Il enchaîne ensuite les compétitions à travers le monde. Téméraire, il décroche le Grand Prix de l'Aéroclub de France en 1911, malgré des conditions météo catastrophiques. Contact, le 23 novembre 1913, il effectue la première liaison aérienne France-Afrique du Nord en moins de 8 heures, il en faut 30 en bateau. En 1914, il s'engage dans l'armée française et se voit vite confier des missions aériennes. C'est là qu'il conçoit un système de tir à la mitrailleuse à travers l'hélice qui permet d'exécuter ses tirs seul. Capturé par les Allemands, il reste prisonnier pendant 3 ans. Là, il rejoue au tennis. Dans le manche de ses raquettes, il cache chapeau, carte et boussole et s'évade déguisé en officier allemand. De retour en France, il est décoré chevalier de la Légion d'honneur et rejoint l'armée pour se relancer dans le combat. Le 4 octobre 1918, il s'envole en mission. Dans le ciel, le combat fait rage. À l'heure de l'appel, il manque Roland Garros. L'enfant du pays a été abattu par les Allemands dans les Ardennes. Il n'avait que 30 ans. Et...